Alors le choix des soins, c'est un vaste sujet parce que ça va peut-être surprendre, mais nous ne proposons pas à l'origine à nos clients de choisir leurs soins. Tout simplement parce que les soins, principalement les soins d'hydrothérapie marine, ce sont des soins souvent méconnus, avec des idées reçues qui ne correspondent pas à la réalité. Et nos clients, lorsqu'ils choisissent de venir aux thermes marins de Saint-Malo, vont choisir un objectif, une destination bien sûr, mais un objectif de séjour, avec un but à atteindre. Et donc, c'est nous qui allons proposer justement des soins qui ont été mis en place, qui ont été modifiés, voire créés parfois, pour atteindre des objectifs bien précis. Nous mettons certains soins en synergie pour apporter une meilleure efficacité. Et donc, nous proposons ce programme de soins à nos clients. Nous pouvons toujours accepter certaines modifications à partir du moment où nous respectons un équilibre quant à la mise en place de ces soins, parce qu'il y a des soins qui sont redondants, qui font double emploi, ou qui ne sont pas compatibles les uns après les autres. Donc ce que nous demandons à nos clients, c'est de nous faire confiance. Nous sommes des professionnels et nous allons leur proposer ce qui est le mieux pour eux pour atteindre leurs objectifs. Thalassothérapie, c'est certes un objectif de séjour, donc un but, un excellent moment à passer, parce qu'au travers des soins et de la ressource dont je parlais, il y a aussi le changement de climat, donc le changement de rythme de vie, la découverte de nouvelles sensations pour le corps, etc. Ça va être également non seulement, je le disais, un but, mais ça va être surtout un moyen, un outil de travail. Parce que nous souhaitons, à ce séjour en thalassothérapie, un objectif un peu pédagogique, c'est-à-dire nous allons donner des conseils à nos clients, nous allons leur faire reprendre contact avec leur corps, et puis par le biais de différents professionnels présents dans l'établissement, que ce soit des médecins, des kinés, diététiciens, nutritionnistes, profs de sport, etc., nous allons leur donner des conseils. Et notre but, c'est qu'après ce séjour qui aura remis à plat pas mal de choses, qui aura assoupli, qui aura oxygéné, qui aura reminéralisé, où on aura évacué énormément de toxines. Donc, ce que nous voulons, c'est que nos clients prennent plus facilement de bons objectifs de vie, de bonnes résolutions, et donc pour faire perdurer tout ce qu'ils auront pu obtenir pendant ce séjour en thalassothérapie, et surtout que ça leur fasse du bien le plus longtemps possible. Plus qu'un soin phare, j'ai envie de dire que c'est une proposition globale, c'est une attitude globale que l'on doit avoir parce que, comme vous le savez, la thalassothérapie, ça n'est pas un soin unique, c'est un ensemble de soins qui vont se compléter les uns les autres, qui vont se renforcer également les uns les autres. Mais si on doit effectivement se focaliser sur certaines pratiques en particulier, j'ai envie de dire que dans notre métier, ce que nous utilisons énormément, qui est notre fer de lance, et là je parle des séjours santé, c'est la rééducation en piscine d'eau de mer chaude, où le kinésithérapeute va s'immerger avec son client donc il va le mobiliser en eau de mer. Alors l'eau de mer, de par sa portance, hein, puisqu'on est mieux porté que dans l'eau douce, de par la chaleur avec l'effet de sédation que cela va apporter, la résistance de l'eau, les sensations, c'est ce que nous appelons la proprioception. Et puis, donc, ce travail, les vertus minérales de l'eau de mer dont j'ai déjà parlé, et ce travail va être extrêmement efficace pour améliorer la condition musculaire et articulaire de nos clients. Pour ce qui est des séjours bien-être, là, je vais vous parler de sensations, où un des soins phares, ce sont les modelages sous affusion, donc où notre cliente est massée sous une rampe d'eau de mer chaude pendant 25 minutes, un protocole des soins qui va de la tête aux pieds avec des alternances de passages doux, de passages plus profonds.
C'est un soin que les clients adorent. Et je vais rajouter un autre soin qui malheureusement tend à disparaître dans le monde de la thalassothérapie, et c'est dommage, c'est la douche sous-marine. La douche sous-marine, c'est un hydromassage sous-marin, comme son nom l'indique, profond, qui va masser là également de la tête aux pieds, des pieds à la tête, c'est un soin généralisé, et dont la profondeur de massage est importante, ce qui va permettre d'assouplir en profondeur, de libérer des toxines, et ce, de façon totalement indolore, contrairement à des techniques classiques, où si on va très profond, on va faire mal, alors que ça n'est pas le cas dans la douche sous-marine. Préciser que ce soin-là, la douche sous-marine, est un soin extrêmement apprécié des sportifs de haut niveau, de par cette profondeur, sans l'aspect traumatisant pour la peau. Nous serons très heureux de vous accueillir prochainement au Thermomarin de Saint-Malo.